Jeudi 20 juin 2019, bienvenue à cette édition au sommet de l'actualité. Déjà la fête de la musique chrétienne qui se profile à l'horizon. Hier mercredi a eu lieu un panel portant sur la musique chrétienne au Burkina Faso. L'activité initiée par le groupe Azaf a eu lieu au temple évangélique Grâce et Victoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Déjà, nous mettons le cap sur l'hémicycle où le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement répondait ce matin aux questions orales des députés sur l'orientation budgétaire et économique pluriannuelle de la période 2020-2022. Jonas Tondé et Odette Zangena nous en disent plus. Après son adoption en Conseil des ministres, le ministre en charge de l'économie, des finances et du développement n'a pas dérogé à l'exercice de présentation annuelle du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle pour la période 2020-2022 à la représentation nationale. Vous savez que les parlementaires ont posé des questions qui concernent des préoccupations réelles dans certaines zones, telles que les zones qui ont connu des difficultés sécuritaires et où les services donc, du ministère des Finances en charge du recouvrement particulièrement n'ont pas pu exécuter leur mission régalienne. Ce qui fait que ces communes aujourd'hui ou ces collectivités rencontrent des difficultés par exemple en termes de prise en charge. Et nous avons souligné qu'il est envisagé au niveau du ministère de l'économie des Finances des actions fortes seront des mesures spéciales, des mesures de recouvrement, ce qu'on appelle des mesures spéciales pour accompagner le recouvrement au niveau de ces collectivités et faire en sorte qu'au fur et à mesure de la sécurisation du territoire de cette localité-là, que nos services se redéploient pour accompagner rapidement ces collectivités. Donc c'est un débat, comme vous le constatez, et qui concerne donc les questions budgétaires. Tout s'est bien passé. Nous pensons que cela va nous faciliter le travail dans le cadre donc du budget 2020 que nous allons réunir au mois de septembre pour discuter avec les honorables députés. S'agissant de la masse salariale, le ministre lui estime qu'une mise à plat du système de rémunération est plus que cruciale. Il y a des secteurs aujourd'hui où nous sommes à des sur-effectifs. À travailler à des redéploiements et bien sûr et rationaliser les recrutements. Donc nous pensons que lorsqu'on va arriver à un consensus national sur la mise à plat, du système de rémunération, cela va guider naturellement une certaine prévisibilité, une certaine maîtrise et faire en sorte que nous puissions continuer naturellement à dégager des ressources pour continuer l'investissement. Toujours en croix Lassane Kabore, le budget de l'État exercice 2020 priorisera certains domaines, à savoir la sécurité, la cohésion sociale, la bonne gouvernance, le capital humain et les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. Les remarques, les suggestions et les orientations des honorables ont été bien appréhendées par leurs hôtes. Ce dernier rassure de bien les prendre en compte pour une meilleure préparation du budget 2020 et par ricochet une amélioration de l'environnement national. Son prochain rendez-vous à l'hémicycle est prévu en septembre pour d'autres débats sur la préparation de la loi de finances. Toujours à l'Assemblée nationale, entre la campagne agricole assez favorable, la situation sécuritaire difficile et les différentes revendications sociales, l'activité économique en 2019 enregistre une quasi-stagnation de son rythme de croissance. Et selon le ministre Lassane Kabore, le taux du PIB réel ressortirait à 6,5% contre 6,6% en 2018. Il nous en dit plus dans cet élément de Jonas Tondé et de Odette Zangena. Au premier trimestre, le niveau global de mobilisation des recettes au niveau de l'État, s'établit à 391 milliards 06 pour une prévision initiale de 1,954,56 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 20,01 contre 18,32 à la même période en 2018.
Comparé à son niveau, à la même période de 2018, la mobilisation globale des recettes s'est accrue de 14,90 milliards de francs CFA, soit une hausse de 3,96%. Pour ce qui concerne les recettes propres, elles s'établissent à 369,93 milliards de francs CFA pour des prévisions initiales de 1697 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 21,80%. S'agissant des recettes extraordinaires, elles ont été mobilisées à hauteur de 21,13 milliards pour une prévision de 257,56 milliards de francs CFA, soit un taux de mobilisation de 8,20%. Elles sont composées des dons de programme pour 3,94 milliards et des dons projets pour 17,19 milliards. S'agissant des dépenses, la situation d'exécution au 31 mars 2019, toute nature confondue, s'élève à 386,09 milliards pour des crédits de paiement de 2441,32 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 19,26%. Au titre des dépenses courantes, 293 milliards 34 ont été exécutés pour une dotation de 1579,34 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 18,57%. S'agissant des dépenses en capital, elles ont été exécutées en crédit de paiement à hauteur de 92,75 milliards pour une dotation de 633,75 milliards, soit un taux d'exécution de 14,63%. Je vous l'annonçais en titre hier mercredi, dans la soirée a eu lieu au temple évangélique Grâce et Victoire un panel sur la musique chrétienne au Burkina Faso. Chanteurs, vedettes, groupes musicaux et choristes étaient à ce rendez-vous initié par le groupe Azazaf de la première église des Assemblées de Dieu de la Padoue. Le reportage est de Moïse Kinda. Aller vers une professionnalisation de la musique chrétienne dans un contexte d'insécurité au Burkina Faso est le thème de la 5e édition du Festival de la musique chrétienne FMC édition 2019. Ce panel est le début d'une série d'activités qui va s'étendre jusqu'au 23 juin prochain. Voilà, à travers ce panel que nous avons mis en place, organisé cette soirée, nous avons pensé que souvent les instrumentistes, les chanteurs sont souvent négligés au sein des assemblées, alors que l'activité du chant est importante dans l'église. Et nous voulons, à travers ce panel, faire une concertation entre acteurs de la musique chrétienne pour voir comment nous pouvons travailler mieux, professionnaliser les choses, de sorte que ça soit vraiment opérationnel pour permettre à nos jeunes frères, à ceux qui sont déjà anciens, de partager l'expérience de telle sorte que nous puissions pouvoir relever les défis que nous avons devant nous. Ce fut une occasion pour les participants de poser des questions et aux panélistes de répondre à ces questions. Moi, c'est un mot d'encouragement et une expérience pratique que j'ai vécue. Ce n'est pas un livre que j'ai lu. Bon, moi, j'ai tenté le professionnalisme dans le milieu chrétien. Dieu merci, ça a marché pour moi. Donc, il y a de quoi dire que c'est possible. Donc, c'est pour ça que je suis venu. Moi, je pense que le premier élément, comme on le dit, il faut oublier, c'est vrai, mais il faut être ancré dans la parole, parce qu'on trouve les éléments nécessaires dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Ecclésiaste 9 à quelques pas 10 que tout ce que ta main trouve à faire, fais le cas, il n'y a ni science, ni œuvre, ni sagesse dans le monde, et c'est là où on va. Donc moi, je me suis appuyé sur ça, je suis parti. Donc c'est des éléments
qui sont, s'il y a un bon fondement, bien sûr, il y a des vents, parce que pour toute montagne, pour aller, il faut traverser la vallée avant d'arriver sur la montagne. Donc c'est ça la réalité. Parce qu'on ne peut pas arriver là-bas comme ça. Mais une traversée, il faut s'armer, il faut s'outiller. Bien sûr, se faire accompagner, avoir des mentors, parce qu'il y a des gens qui sont tellement sûrs d'eux-mêmes qu'ils pensent qu'une seule montagne, ils peuvent aller. C'est pas évident. L'un des objectifs de ce panel est de créer aussi un réseau d'artistes et groupes chrétiens en vue de fédérer les compétences pour accompagner l'Église dans sa mission de faire de toutes les nations des disciples. Une musique qui est caractérisée par un message chrétien, et moi j'ajouterais une musique qui est véhiculée par une personne ou un groupe qui sont chrétien. Et quand on parle de chrétien, on parle de petit Christ. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vit à l'exemple du Christ. Ou quelqu'un qui diffuse un message à l'exemple du Christ. C'est le petit Christ. Donc, quelqu'un qui est lui-même disciple du Christ. Ou qui véhicule un message qui vient du Christ. Amen. Donc, voilà un peu ce que la musique chrétienne revêt. Comme réalité, ce que je peux donner Plusieurs autres activités sont au programme. Ce sont entre autres un concert à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, des jeux radiophoniques, une veillée d'adoration et de louange le vendredi 21 juin à l'église de la mission apostolique à Gounguin. Et le clou de ces activités est la grande nuit du festival, prévu pour le dimanche 23 juin à la première église des Assemblées de Dieu de la Padoie. Et puis, hors de chez nous, en Centrafrique, la population est désormais fixée sur les dates des élections à venir dans le pays. Le double scrutin législatif et présidentiel aura lieu le 27 décembre 2020. Les Centrafricains sont maintenant fixés sur les dates des élections à venir dans leur pays. Le double scrutin législatif et présidentiel aura lieu le 27 décembre 2020 selon le calendrier publié par l'Autorité nationale des élections. En cas de second tour, le vote aura lieu le 14 février 2021. Mais encore, faudra-t-il faire face à l'épineuse équation du nerf de la guerre? L'Autorité nationale des élections a estimé en effet le budget de ses consultations électorales à environ 33 millions de dollars. À ce souci financier s'ajoute des appréhensions liées au climat sécuritaire délétère. Le gouvernement centrafricain ne contrôle qu'une maigre portion du pays, des groupes armés dictant leurs lois dans plusieurs autres régions. Le mandat de l'actuel président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016, s'achève le 30 mars 2021. La nouvelle de l'ex-président soudanais dans cette édition, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Ben Souda a plaidé mercredi dernier devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour une traduction devant la justice internationale de l'ex-président soudanais Omar El-Béchir. Alors qu'Omar El-Béchir est actuellement jugé au Soudan, Fatou Ben Souda demande la traduction de l'ex-dirigeant soudanais devant la Cour pénale internationale. Un appel en ce sens a été porté mercredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le moment est venu pour le peuple soudanais de choisir le droit au détriment de l'impunité et de veiller à ce que les suspects de la CPI dans le dossier du Darfour soient finalement jugés devant un tribunal, a plaidé la procureure de la CPI devant le Conseil. Un appel vite rejeté par les militaires qui contrôlent le pouvoir depuis l'arrestation d'Omar El-Béchir le 11 avril. Mais le représentant du Soudan à l'ONU, El Sadiq Ali Ahmed, qui rappelle que son pays n'a aucune obligation vis-à-vis de la CPI, assure que l'ex-président sera jugé la semaine prochaine et qu'il n'y aura pas d'impunité. Pour rappel, Omar El-Béchir est sous le coup de 5 mandats d'arrêt de la CPI dans le dossier du Darfour. Et malgré le refus des militaires de le livrer à la justice internationale, la procureure de la CPI ne désespère pas.
Fatou Bensouda dit être prête à engager le dialogue avec les autorités soudanaises pour que les suspects soient jugés devant une justice indépendante, soit à La Haye ou au Soudan. Toujours justice dans ce journal, les procédures lancées après le coup d'État manqué en Turquie étaient d'une ampleur sans précédent. 24 condamnations à la prison à vie dans les procès des mineurs du putsch manqué ont été prononcées. Les procédures judiciaires lancées après le coup d'État manqué en Turquie étaient d'une ampleur sans précédent. Les peines prononcées à l'encontre des meneurs présumés sont exemplaires. 24 personnes sont condamnées à la prison à vie, parmi elles l'ancien aide de camp du président Erdogan. Au total, 224 personnes étaient jugées au cours de ce procès, l'un des principaux portant sur le putsch manqué de juillet 2016. La Turquie vient de traduire en justice ceux qui ont participé à la tentative de coup d'État. Personne ne peut tuer la volonté nationale, la démocratie et personne ne peut blesser l'âme de nos martyrs. En Turquie, les droits de l'homme, le droit et la démocratie seront promus. Les juges turcs ont pris cette décision conformément à la constitution que les putschistes voulaient abolir ce 15 juillet. La tentative de coup d'État a fait près de 250 morts et des milliers de blessés. Plus de 55 000 personnes ont été arrêtées lors des purges engagées après ce coup de force. À ce jour, plus de 3200 personnes ont été condamnées. D'autres procès sont toujours en cours. Ankara accuse Fethullah Gulen d'avoir orchestré ce putsch. L'intéressé a toujours nié. Sur le continent asiatique, avant de refermer cette édition, Xi Jinping, le président chinois, a eu droit ce jeudi à un accueil chaleureux en Corée du Nord pour la première fois qu'un président chinois arrive dans ce pays depuis 14 ans. Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan acclamés à leur arrivée à Pyongyang. Sur le tarmac, Kim Jong-un et Ri Sol-joo affichent leur plus beau sourire. Pour cette visite historique, les autorités nord-coréennes ont vu les choses en grand. Près de 10 000 personnes sont venues accueillir le président Xi. Honneurs militaires, salutations officielles, hymnes nationaux. Une cérémonie grandiose pour bien marquer l'amitié entre les deux pays. Le convoi présidentiel quitte ensuite l'aéroport de Pyongyang sous bonne escorte. Là encore, les Nord-Coréens sont alignés le long de la route, ovationnant les deux dirigeants. Sans attendre, un premier entretien officiel se tient entre Xi Jinping et Kim Jong-un. Si les deux pays célèbrent le 70e anniversaire de leurs relations diplomatiques, la question du programme nucléaire nord-coréen est au centre des discussions. Après l'échec du sommet de Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un, le leader nord-coréen semble solliciter une médiation chinoise. La Corée du Nord souhaite faire preuve de patience et dans le même temps espère que la partie concernée pourra parvenir à un compromis avec elle. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, Xi Jinping pourrait se remettre au centre du jeu en jouant les médiateurs sur la question de la dénucléarisation nord-coréenne et ainsi arriver en position de force au G20 au Japon la semaine prochaine où il devrait s'entretenir avec Donald Trump. C'était là le dernier élément de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Un bonsoir spécial à tous ceux qui nous suivent depuis la ville de Boromo. Excellente suite de programme sur Canal Vim Kwega. Demeurez bénis en Christ Jésus.